Bonjour à toutes et à tous, recevez le Kaga, le Kagoulé, l'homme qui vous défend toujours quand on parle mal de vous et qui parle de vous quand on vous oublie, le Gadagada du showbiz 228. Je suis en train de m'apprêter pour aller à l'église et puis je suis tombé sur une vidéo. Et puis tout le monde est en train de se moquer de l'artiste. J'ai pas compris au fait. Et il y a une dame qui est en train de traiter cette loi de nuit. Chanteur, compositeur, tu vois, là je suis au studio, tu vois. En tout cas, je te connais pas, hein. Va sur YouTube, tape cette loi. Tu me verras. T'es nul, hein? Et c'est nul? Oui, comment devenir rappeur? Ah bon? T'es nul. Moi, je suis pas rappeur, hein? Mais t'es nul. Ah, ok, merci. Mais les gens me kiffent ici. Ici, c'est où? Chez moi. Chez moi, en Afrique. Dans quel pays, là? Je suis togolais. Ah, oh, ouais. Ok. Et tu vis au Togo? Mais toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis étudiante infirmière. Ah, et ça paye bien? Ça paye très bien. Ok, c'est bien. Donc, Mais c'est quoi tout ça là? Madame, je suis parti faire des recherches sur ton compte, mais je n'ai pas trouvé. Tu as chance, hein? Et puis, tu as remercié Dieu qu'aujourd'hui c'est dimanche. Sinon, je vais te dire ton vrai nom. Tant que moi, le caca ici là. Je ne peux pas permettre à un étranger de se foutre de la musique togolaise. Oui. Moi, on ne peut pas prendre notre doigt gauche pour montrer ça. Voilà. Donc, on ne peut pas permettre à un étranger de venir se foutre d'un artiste togolais. Vous comprenez un peu? Les artistes du Togo, là, eux, peuvent s'entretuer entre eux. Mais un étranger qui a venu s'entremêler pour faire des gars, pour faire oula oula ya là. Moi, le Kagoulé, j'ai fait ça sur double bruit donné. Mais madame, j'aimerais te dire un truc. Je sais pas que tu as regardé la vidéo, ça là. Mais bon, c'est bien sûr, les femmes de l'artiste là, ils vont t'envoyer la vidéo. Ils vont t'envoyer ça. La prochaine fois, quand tu vas rentrer dans le direct d'un artiste togolais là, il faut savoir parole que tu vas parler. Maintenant, je reviens sur toi, c'est tout. Tu vois ce genre de truc. Tu fais direct, tu vois, femme amie pour fille, c'est joli, avec gros sein devant. Tu cliques, tu la prends. C'est ce genre de trucs qui vont t'arriver. Hein? C'est nous quoi là, les caca, les cagoulés quoi là. Tu peux prendre en direct et puis bon, on va parler. On va redresser les fans qui. Les fans bas des cons là, on va les redresser un peu. Pour pas prendre jolibilité, tout ça là. Et puis tu vas te bailler de ça pour envoyer dans les lives. Et puis ils vont se foutre de toi là-bas. Moi, j'ai pas aimé. Hein? J'ai pas aimé ça. En plus, tu es en train de causer avec la dame encore. Personnellement, pour ton image, pour le respect de ton image et pour le respect de tout le peuple togolais là. Tu devais la faire descendre là-bas, chap. Là, quoi, là, demain, quand elle va rentrer dans ton live encore là, elle va savoir ce qu'elle va dire. Et puis, ce qui me fait bizarre, je vois mes propres frères togolais, et ils sont en train de moquer en commentaire. On est en train de jeter la pierre à votre frère, au lieu de le soutenir, au lieu de venir en intervention. Et là, là, vous êtes là aussi à lancer pierre à votre frère. C'est méchant, les gars. Aujourd'hui, c'est dimanche, hein. Voilà pourquoi moi je suis en train de parler doucement avec vous. Sinon, dame là même là, si elle était dans showbiz là, elle va disparaître il y a longtemps. Oui, c'est qu'elle a fait là. C'est qu'elle a fait là. Si elle était dans showbiz là, elle va comprendre. Puis, elle a dit qu'elle est infirmière non. Elle n'a qu'à essayer de revenir. Elle n'a qu'à prendre du temps pour faire un moment encore. Elle va s'en dire. Ceux qui connaissent la dame, taguez-la en commentaire. Elle n'a qu'à venir encore se foutre d'un artiste togolais encore. Elle va sentir la couleur du cagoulé. Si elle n'a pas préparé ceux de Djoumblé ou bien ceux d'arachide pour lui donner, elle va chier ici, hein. Elle va chier sur TikTok ici, hein. Si on l'a dit de revenir sur TikTok, elle ne va pas croire. Même là, elle-même là, elle va dire non. Elle va couper, elle va jeter son téléphone. C'est bien ici, c'est un avertissement. Si ce, les gars, c'était le Gadagada. Le soldat, le défenseur du showbiz, de tout le showbiz du Togo, c'est moi, il n'y a pas l'homme. Je vais vous laisser écouter un message de Dieu dans le Kevin. C'est un bon message. Hein. Parce qu'il y a certains artistes là, vous, certains artistes togolais, vous êtes trop foutaises. Hein. Vous êtes trop foutaises. Si nous, on ne vous dit pas là, si nous on ne vous dit pas là, hein, c'est les étrangers qui vont vous dire ça. Et puis ça va vous énerver. Donc nous, on va vous dire ça. Il y a certains artistes ici là, on fait une vidéo sur vos sons. Vous n'aimez pas. On vous tag maintenant là. Vous ne venez pas liker, mais vous ne partagez pas. Maintenant là, si nous on fait vidéo sur
sont des étrangers là. Eux, ils viennent, eux, ils taguent, eux, ils commentent. Eux-mêmes, là, eux mettent les likes. Encouragez-nous aussi. Vous pensez que quoi? Comme nous on n'a pas beaucoup d'abonnés, c'est à cause de ça. Je vois certains artistes là, eux, ils prennent les gens dans leur direct là. Quand tu cliques le profil même là, la personne a 1000 abonnés. Il y a certaines personnes, ils sont moins de 1000 abonnés. Vous êtes foutés, hein? Vous êtes foutés, vous les artistes là, méfiez-vous, hein? Vous êtes foutés. Sinon, j'ai dit vos noms ici. Vous les artistes qui font ça là, j'ai dit vos noms ici. Revoyez vos comportements. Mesdames et messieurs, je vous laisse regarder la vidéo de Jordan et Kevin. Et puis on va s'attraper dans une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, que Dieu bénisse tout, mais s'abonner. C'était le caca, le cagoulé, le gada gada. En tant que consommateur, les artistes même. Moi, je vois des artistes ici qui se retrouvent dans des clubs qui ne dansent même pas sur eux-mêmes leur propre musique. C'est pas pour dire je vous raconte des histoires. J'ai vu le gars en boîte, on joue du Atlanta Boy, il bouge pas la tête, il est là. Mais dès qu'on joue Whisky, il se lève. Dès qu'on joue à Safi, il se lève. Dès qu'on joue Bona, il se lève. Et c'est encore les artistes là qui se plaignent de même qu'on joue pas votre musique. Mais vous-même, vous êtes pas. Vous dansez. C'est pas sur votre musique. Vous êtes pas même. Vous ne vous partagez pas. J'ai vu des artistes partager des trucs sur TikTok. D'autres sont même pas allés faire de vidéos. D'autres ne like pas. La dernière fois, j'ai fait une vidéo sur la chanson de l'Ivoirien. Parce qu'il avait dû s'utiliser une phrase qui me plaisait. Il a dit c'est Dieu qui est fort ou c'est Dieu qui donne. Alors, comment il s'appelle lui, l'artiste ivoirien qui a parlé. Tiesco le sultan. J'ai fait une vidéo sur sa chanson. Tiesco ne me connaît pas. Il est venu, il a partagé, il a liké. J'ai fait également une vidéo sur un groupe ivoirien aussi. Ils sont deux ou quoi. Je suis pris un matin, je vais, ils ont partagé ma musique, ils ont liké. Mais je vous jure, je fais parfois des vidéos sur des chansons des artistes togolais. Les gars ne viennent même pas liker. Parfois ils viennent même, ils likent, mais ils ne partagent pas. Alors que c'est sur sa chanson. Quand même, j'ai plus de 100 000 abonnés, moi je suis personne pour toi. Commençons par là. Partageons notre musique. Aimons-nous. Soutenons-nous. En temps normal, le CD qui est là. Tous les artistes qui sont ici doivent avoir ce CD-là dans leur main en partant à la maison. Quel que soit le prix, même si c'est à 1000 francs, vous l'avez acheté. Vous êtes venu au lancement. C'est votre façon de soutenir votre frère. Vous savez qu'il peut vous donner ça gratuitement, mais en partant là, vous allez payer ça combien? C'est 1000 francs, c'est 2000. Voilà où ça commence. Mais on ne fait pas ça. Je connais des artistes dans cette salle-là qui vont s'asseoir comme ça au moment de partir, ils ne vont pas prendre de CD. Même pas 2000. C'est pas parce qu'ils n'ont pas 2000, hein. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Maintenant, vous ne payez pas pour votre frère. C'est lui qui a dit payer pour vous. On ne se soutient pas.